Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Aujourd'hui, nous rejouons avec Jérémy. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Jean-Pierre. Donc un petit rappel, vous avez 33 ans, vous êtes livreur, vous habitez à Beauvais dans l'Oise. Tout à fait. Donc hier, nous n'avons pas terminé notre aventure et donc nous la continuons aujourd'hui. C'est arrêté à 24 000, c'est ça ? C'est ça. Donc un petit rappel de la pyramide des gains. Donc les questions de 800 jusqu'à 12 000 c'est fait, 24 000 aussi. Hop, vous êtes à 24 000 et là, hop, 48 000, 72 000, 100 000, 150 000, 300 000 et 1 million. Il vous reste le joker téléphonique, donc l'appel à un ami. Jérémy ? Oui ? Vous êtes prêt ? Je suis prêt. Nous jouons avec Jérémy à qui veut gagner des millions. La question 7 de la pyramide est celle qui peut vous permettre d'atteindre le second palier, la voici. Sur la création d'Adam. À la chapelle Sixtine, on voit Dieu tendre vers Adam son index gauche, son majeur droit, son index droit ou son majeur gauche. Alors là, je me connais mieux pour la chapelle Sixtine. N'oubliez pas que vous avez l'appel d'un ami. Ah ouais, bonne idée. Que faites-vous? Vous voulez prendre appel à un ami? Bah déjà, qui appeler? Bonne question. On peut appeler Georges? Qui est Georges? Ben, c'est mon cousin. Lui, il est fort en histoire. À mon avis, il devrait connaître la chapelle Sixtine, la création d'Adam. Ok, appelons Georges. Allô ? Allô Georges ? C'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir Georges. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Jérémy et nous avons besoin de votre aide pour une question à 48 000 euros. Oula, peut-être que je vais pouvoir l'aider. J'espère. Donc, Jérémy va vous poser la question. Top, c'est parti. Genre, sur la création d'Adam, à la chapelle Sixtine, on voit Dieu tendre vers Adam son index gauche, son majeur droit, son index droit ou son majeur gauche. Attends, je réfléchis. Je sais pas, je sais vraiment pas. Je voudrais pas te mener sur une mauvaise piste pour que tu répondes mal, mais je sais vraiment pas. Ah! Votre ami a dit qu'il ne savait pas. Ben, s'il sait pas avec moi non plus, franchement, vaut mieux le dire tout de suite. Je voudrais pas me mener sur une mauvaise piste, donc je voudrais pas répondre au hasardement. Donc, je préfère repartir avec 4000 euros. Ouais, je préfère repartir avec 4000 euros. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Bravo, 24 000 euros. Bon, alors, revenons à la question. Que m'auriez-vous dit ? Ben, moi, j'aurais dit... Allez, au hasard, j'aurais dit la réponse A. Et c'était la réponse C. Ouh là là. Bon, heureusement que j'ai quitté. Enfin, heureusement que j'ai quitté le plateau. Parce que sinon, je serais retombé à 1500. Merci d'avoir participé à l'émission. Au revoir. Tout de suite, j'accueille Julien Castalier. Bonsoir Julien. Bonsoir Jean-Pierre. Quel âge avez-vous ? J'ai 23 ans. Vous habitez où ? J'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, à Arras. Ah ouais, d'accord, à Arras. Que faites-vous dans la vie ? Je travaille dans la pharmacie. Ah ouais, donc vous êtes un pharmacien, je vois. Voici tout de suite la pyramide des gains, donc 800, 1500, ensuite on monte 3000, 6000, 12000, 24000, 48000 le second palier,
Et 1 million pour finir, c'est la dernière question. 3 jokers, 50-50, fil d'un ami et le vote du public. Vous êtes prêt, Julien ? Je suis prêt. Donc, nous jouons avec Julien à qui veut gagner des millions. Première question. Comment appelle-t-on les personnes qui visitent une région à vélo ? Des courageux, des cyclistes fauchés, des cyclotouristes ou des fadasses ? Sans hésitation, réponse C, des cyclotouristes. Bravo, bonne réponse, 800 euros. Deuxième question pour 1500 euros. Dans aucun livre de cuisine, vous ne trouverez la recette du pied de porc, de la langue de veau, de la cervelle d'agneau ou de l'œil de bœuf. Alors, sans hésitation, réponse D, l'œil de bœuf. Bravo, bonne réponse, 1500 euros. De remporter 1500 euros. Donc maintenant, quoi qu'il arrive, votre argent sera sauvé. Vous retomberez maintenant à 1500 euros. Maintenant, vous devrez valider vos réponses par c'est mon dernier mot. Nous continuerons les prochaines questions demain. Pendant ce temps-là, j'aimerais faire un grand merci encore à toute l'équipe de TF1 pour encore avoir pu filmer aujourd'hui l'émission. Donc, merci de votre fidélité. Bonsoir. Et à bientôt sur TF1.